Kasper, naar 1-0 winst. Moeilijke tweede helft, beter eerste helft. Wat vond jij van deze wedstrijd? Ik denk correcte analyse. Ik denk dat we heel sterk aan de match beginnen en dan ook direct verdiend voorkomen. Maar dan kruipen we een beetje te fel terug en denken we misschien al dat het binnen is. Maar dat is niet het geval. Dan moet je voor die tweede blijven gaan. En ik denk dat we dan iets te fel zijn teruggezakt. Maar tegen het einde van de eerste helft terug beter en meer kansen. En eigenlijk moet je dan die tweede maken. En dan kun je met die twee golen voorsprong de rust. En dan kun je de tweede helft proberen uit te geven. Maar dat was nu niet het geval. De tweede helft beginnen we dan zwak en krijgen zij een paar kansen. En kwamen we er eigenlijk niet goed meer uit. Verloren we veel duels. De tweede ballen waren altijd voor hun. En konden we zelf ook onze kansen niet goed afmaken. En dan weet je dat zij ook een paar kansen krijgen. En komen we ook uiteindelijk nog heel goed weg. Ja, wat kruipt er dan eigenlijk in de koppeltjes in die tweede helft? Ik denk dat je misschien zo gefocust bent op die tweede goal te maken, dat iedereen naar voren gaat lopen en dat daardoor de organisatie misschien niet meer top is en dat er daardoor te veel druk komt op de verdediging, die dan vaak met een man meer voor cerkelen komt. Zo kunnen zij dan kansen creëren. Daarom is dat toch een werkpunt, denk ik. Sébastien Doaas, een groot soulagement, hè? Tenir les trois points à domicile. Ouais, devant notre public, on doit toujours donner le maximum. Toujours essayer de prendre les trois points. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu le deuxième objectif a été atteint, de prendre les trois points. Mais je pense que de donner le maximum devant nos supporters, ça n'a pas été suffisant aujourd'hui, surtout la deuxième période. Mais voilà, comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'avoir pris les trois points aujourd'hui. Votre goal. Et c'est un peu à la façon de Messi, hein? Ah, je ne vous ai pas dit, mais je pense que c'est mon père caché, en fait. Je rigole. Ouais, c'est un beau but. Je fais un petit crochet sur le défenseur, puis je rentre sur mon. Je me remets sur mon pied droit et je la place vraiment dans le petit filet opposé. Donc voilà, un vrai but d'attaquant. Mais bon, je pense que j'ai déjà montré que j'avais un talent de buteur. Dans 4 jours, il y a l'Antwerp qui vient. Tout autre match. Hein. Ouais, c'est un match toujours compliqué contre Anvers. C'est une équipe agressive. Qui joue marquage individuel sur tout le terrain. On n'a jamais eu facile contre cette équipe. Donc voilà, maintenant, il faudra montrer, je pense, un autre visage qu'aujourd'hui et chacun élever son niveau de jeu. Autrement, ça sera aussi un match très compliqué. Mais au moins, on a tenu le zéro aujourd'hui. Ouais, ça faisait longtemps en championnat qu'on n'avait pas gardé le zéro. Donc je pense, c'est important pour le groupe, pour la confiance, pour le gardien, pour la confiance de la défense également. Donc voilà, il faut. Il faut garder le positif et corriger les petits détails qui n'ont pas été au top aujourd'hui pour les prochains matchs.